comme la science avance et fait parfois des bons, un shampooingiste annonce un progrès cosmétique dont le produit s'arrache avec célérité. Voici, jugez plutôt l'éternelle jeunesse. Un mythe, me direz-vous ? Mais les mythes ne sont que les mémoranda pour cours de marketing. Faustaine de jouvence, il suffit d'innover, adresser les besoins, repousser la vieillesse. À la station d'enfer, Orphée et Eurydice, restent inséparés s'ils frottent chaque jour leur chevelure antique, ondulante et soyeuse avec cette lotion, nom de marque, Procto. Mais qu'ils oublient ou bien que leur source tarise, irrémédiablement le temps reprend son cours. Mortifère alors que la vie est merveilleuse, quel que soit son prix, pas une goutte de trop. Un chambre tous les jours, un chambre tous les jours, c'est tout ce qu'il te faut pour arrêter le cours du temps. Ah, je crois que je vais peut-être une question. Est-ce que Procto fonctionne avec les cheveux teints? Alors oui, Procto fonctionne avec les cheveux teints et même pour les chauves, résultat garanti. La mort est triste, mieux vaut être jeune, sain, beau et riche. Une dose par jour sur tes cheveux fera de toi l'égal d'un dieu. Un chambre tous les jours, un chambre tous les jours, c'est tout ce qu'il te faut, c'est reparti pour un tour. Un chambre tous les jours, un chambre tous les jours, c'est tout ce qu'il te faut pour arrêter le tour du temps. Tout le temps cette chanson. Est-ce que Procto permet de rajeunir? Alors, j'aime pas dire non parce que dans une publicité il faut jamais dire non, mais non, en fait, Procto ne permet pas à rajeunir. Mais une application quotidienne permet d'arrêter le processus du vieillissement. Mais évidemment, si vous ne prenez pas quotidiennement votre Procto, eh ben, vous recommencez à vieillir, ce qui est une très mauvaise idée parce que je pense que c'est mieux de rester jeune, beau et riche. Ouais, enfin, chacun son truc, hein. C'est pas toujours que... C'est mon Procto, il est à moi. Si t'en as plus, tant pis pour toi. Si t'as plus de fric, tu peux crever. Compte pas sur moi pour te pleurer. Un chambre tous les jours, un chambre tous les jours, c'est tout ce qu'il me faut. Un chambre tous les jours, un chambre tous les jours, c'est tout ce qu'il me faut pour arrêter le cours du temps. Et quand on se réinitialise, est-ce que ça marche encore? Oui, tout à fait. La réinitialisation, on n'interrompt absolument pas le phénomène de Procto et même c'est conseillé parce que quand on est immortel, bah, il faut de temps en temps repartir à zéro, sinon on finit par s'ennuyer quand même. Merci. Bravo. Oui. Mon roi, quel plus beau destin que d'un vagabond devenu souverain d'un si vaste royaume. Qu'on ne peut l'entourer d'une démarcation, car il vit dans le cœur de toute populace. Monarque incontesté par le pouvoir d'un son, plus respecté que l'or, plus puissant que l'atome, il se dit qu'il peut de toute provocation user impunément à l'abri des palaces. La valeur n'attend pas le nombre des galons. Tu as sauvé la terre au fil des épisodes. Un jour enfin, quand ce danger est dissipé, l'Empire te réclame en une immense fête. Tu deviens général, héros de la nation, prince de la machine et grand maître de l'ordre. Une nouvelle menace vient d'arriver, face à laquelle il faut jouer à la roulette.
C'est des gens qui se noient, qui se mangent des galettes, qui meurent sous les bombes des missiles de croisette. Bien four, grenade ou au lance-flamme. Si tu veux sourire, détourne les dollars. Si tu veux survivre, détourne le regard. Hey, 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 seul et tranquille, je pousse le bouton de joie. Peur sur la ville, sur le carnage, j'ai écrit Enter. Ce soir, j'ai joué à la roulette. Let's go. Se mettent à chanter aux terrasses des cafés. Pour vous souvenir de ces hauts faits militaires, de ces exploits musicaux comme on n'en fait plus, murmurez les chansons d'Édith Piaf, la légende, pour la dernière fois et pour l'éternité. Bravo ! Bravo ! On peut faire une version complète parce que là, il y a quand même des petits sauts dans l'histoire. Ici même, on y compte un de ces jours. D'accord. Ok. Rendez-vous est pris.